Manang me buriyam ya sana malage Manang me buriyam sana malage Manang me buriyam sana malage Mandaluzen ndo ya sana malage Minuzen ndo ya sana malage Ekwalum kata si jamin me kumuli Ekisim kata si jamin me kumuli Esi yuko doyu yam do jamu wege Esi yuko doyu yam do jamu wege Ekwalum kata si jamin me kumuli Mandaluta wibeli on lebe won Mandaluta wibeli on lebe Les gens sont vraiment intéressés, il y a beaucoup de francophones qui viennent voir le stand parce que là ils sont sûrs de trouver des gens qui parlent français, qui peuvent leur expliquer les céréales du Togo et beaucoup d'intérêt aussi d'autres pays, d'autres gens qui viennent un peu partout dans le monde et soit ils ont déjà entendu parler du Togo, soit ils ont voyagé au Togo ou bien en Afrique occidentale, soit ils n'en ont rien à ils ne connaissent rien du Togo, mais voilà, ils veulent en savoir un peu plus, surtout du coup, par rapport aux céréales. Ça va. C'est un événement important qui se tient une fois tous les 5 ans, et c'est bien pour le Togo d'avoir une exposition qui du coup est une exposition universelle. Tout le monde peut regarder le Togo, le connaître, et nous on est là aussi pour essayer de promouvoir le Togo en tant que destination de voyage, le Togo comme porte d'entrée pour l'Afrique occidentale. Les gens sont intéressés et ils disent qu'ils vont y penser et qu'un jour ils aimeraient bien pouvoir voyager dans notre pays. Ce choix permet au Togo de valoriser ce qui est une cultivation en fait répandue dans tout le pays. Il y a aussi le stand du café, cacao. Là, on aurait pu être du côté du cacao, du café, mais cela, ça aurait pu donner de la visibilité seulement à une partie du Togo, alors que voilà, les céréales, ça se cultive partout dans le pays. Donc, c'est une exposition de tout le pays. Mandaluta we belly on my hand. Mandaluta we belly on my hand. As a number of you, Raja, so that's a good one.